Eh oui, c'est Claytech Pro. Après plusieurs semaines, bah, j'aime la vidéo. Je dis à une nouvelle vidéo sur l'installation photovoltaïque. Qui sait le panneau solaire? Qui voit le panneau solaire? Comment installer le panneau solaire? Qui dirait de vivre le panneau solaire? Et bien, tout ça va venir dans la vidéo. Ça. Qui voit le panneau solaire? Le panneau solaire, Wally, c'est pour prendre l'énergie solaire là, convertir en énergie électrique. Grâce avec matériau qui fait panneau solaire là, qui c'est silicium, qui c'est un semi-conducteur, lorsqu'il joint lumière soleil, eh bien, électron semi-conducteur ça, il est en déplacement, eh bien, depuis qu'il y a un déplacement électron, eh bien, il y a une production d'électricité. Combien d'années le panneau solaire dirait? Le panneau solaire doit dévisser 25 ans et il y aller au-delà de 25 ans, au cas où il y a 30, 40 ans. Mais, on a perdu la capacité du panneau solaire là, il n'y a pas la même capacité là, lorsqu'il était 10 ans, mais lorsqu'il était fait installé. Qui ça va avoir besoin pour une installation? Premièrement, on a besoin de module solaire, de panneau solaire, et on a besoin de qualité et puissance qu'on a besoin. Deuxièmement, on a besoin d'un régulateur. Ça, c'est un régulateur MPPT, qui signifie Maximum Power Point Track. Il est là pour stabiliser la tension qui peut charger la batterie. Hein. Parce que le panneau solaire est 17 volts, pas pour charger la batterie 12 volts, sinon il va craser la batterie. Hein. Alors, vous pouvez passer par un régulateur MPPT ou bien l'autre type de régulateur. Même conseiller nous ça. Vous avez besoin d'un inverter qui est là pour convertir courant panneau solaire pour durer, mais courant batterie pour durer en courant alternatif. Parce que la batterie, ou bien panneau solaire à l'hypodure pour en continuer. Mais tout plus fort après qu'il y a la carrière, c'est le courant alternatif qui est servi. Alors, on a besoin d'une inverter pour faire conversion ça. Et en final, on a besoin d'une batterie, on a besoin de batterie pour que vous stockez l'énergie solaire pour jouer dans le matin hein, lorsque il y a soleil, de façon que vous pouvez toujours utiliser le soir lorsque il y a soleil. Alors, on a besoin de batterie de stockage, de batterie stationnaire qui est faite pour ça. Qui j'ai encore connecté plusieurs panneaux solaires ensemble. J'ai plusieurs types de connexions. J'ai une connexion parallèle. Parallèle là, c'est plus dans plus, moins dans moins. Négatif dans négatif, positif dans positif. Laisse ça. Toujours j'ai même tension qui sorti, mais courant les plus élevé, courant augmenté. Lorsque ou font connexion en parallèle. Donc là, nous avons deux panneaux solaires de 22 volts, mettez-les en parallèle, et même à toujours 22 volts, mais courant a augmenté. Courant c'est ampérage là. Et bien, lorsque courant augmenté, moi supposé utiliser conducteur qui fait pour ça, câble qui fait pour ça, fil qui fait pour ça. Sinon, si que courant trop pour câble là, il y a possibilité pour câble à bouler ou bien panneau moins bouler. Là, c'est un panneau qui couplage gagné encore, nous gagne couplage série. Série c'est plus non moins. Les samedis qui ont plus qui sorti, ont moins qui sorti. L'inverse de parallèle là, lorsque c'est série, c'est tension qui augmente et courant arrêté même genre. C'est inverse de parallèle là. Plaque signalétique du panneau solaire, c'est un dos allié. C'est le même qu'à bord puissance panneau solaire là, ça a son 1000 watts. C'est le même qu'à bord tension circuit ouvert, ça a bon, 22 volts. Et les mêmes câbles courant de court circuit panneau solaire là, c'est 6.14 ampères dans le panneau 100 watts. Ok? Alors, plaque là, c'est DLIE. Si vous avez besoin de puissance panneau solaire sur le installé, c'est DLIE. Panneau pour faire les petites plaques analytiques là. Ou pas supposé mettre un panneau solaire sur la batterie directement parce que vous risquez d'écraser la batterie. La craser cellule batterie. Alors, supposé mettre un panneau solaire là sur le régulateur là. Le régulateur a stabilisé la tension qui sort dans le panneau et l'a chargé la batterie bien pour
sans que li pa endommager cellule batterie. C'est la mettre fin dans la vidéo. Dis-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Qui ça m'a pas dit dans la vidéo? Ça qui mérite de changer. Et abonnez-vous à la chaîne là. Activez les notifications. Like chaque vidéo et partagez.